Les aïeux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, les aïeux, c'est la suite. Dizzy Top 8. Parce que c'est un rendez-vous que vous attendez hebdomadairement, mais à chaque fois, ma gueule, hein, parce que franchement, c'est un truc que vous kiffez. Mais avant toute chose, mes aïeux, n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo qui est sortie dimanche dernier. Elle est vraiment qualitative. C'était une vidéo avec mon frère, donc en plus, ça va être un concept qui va vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, mes aïeux. Ça me fait plaisir. Ceux qui vont voir les vidéos du dimanche ou du lundi, ça me fait plaisir. C'est le sang, c'est les hey. Y a pas que les It Love dans la vie, y a un peu de tout. Mais aujourd'hui, c'est du It Love, mes aïeux. Donc aujourd'hui, soyez au taquet parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses la dernière fois. Rappelez-vous la dernière fois, mes aïeux, on était rentrés du manoir justement avec Laurie et Sarah. Après, le lendemain, on était retourné justement à la fac. Et là c'était le jour de fête à la fac. Je sais plus comment exactement ça s'appelle, mais en gros c'était la grosse fiesta. Tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde fait des trucs de ouf à l'école. Et on avait vu déjà Sarah là en train de danser sa mère. Et bah je peux vous dire les hey, waouh waouh waouh, voilà Sarah, elle envoie du pâté hein. Mais juste avant ça on s'était embrouillé avec Samantha. On l'avait clashé de ouf. Heureusement la Sarah était venue nous aider avant qu'elle danse. Donc ça fait réellement plaisir hein, Rouillette hein, t'es le sang Sarah, tu le sais. Au moment justement à la fin de la danse de Sarah, là qu'est-ce qui arrive à Bibi? Elle voit un fucking fantôme à côté d'elle. Ah ouais mes aïeux, ça l'a fait un peu flipper. Et justement je vous avais laissé le choix mes aïeux de répondre entre eux. Bizarrement ça la touche de voir un fantôme heureux ou sinon est-ce que ça lui fait peur? Vous avez été une majorité, que ça soit sur le sondage Twitter ou dans les commentaires YouTube mes aïeux, de dire que justement bizarrement ça la touche la Bibi, parce que vous le savez très bien, Bibi n'a jamais peur, elle a peur de rien, c'est la thug sa mère, tu connais hein la Bibi. Elle est comme ça hein. Donc on va voir comment ça se passe en répondant ça mes aïeux. On est directement parti dans la vidéo. N'hésitez pas mes aïeux à lâcher un petit like, à vous abonner et n'hésitez pas à mettre la petite cloche, ça fait toujours plaisir les rails. Donc on est directement parti pour voir si le fantôme va nous faire peur. Mais au pire, Inch'Allah, on va voir Peter après jouer du piano, donc on sera tout excité. C'est parti, let's go! Boum, boum, boum! Bizarrement, ça me touche. Bien évidemment que ça la touche. La Bibi, elle a peur de rien, attends. Ce fantôme pacifique qui a l'air d'être resté coincé éternellement dans ce monde de joie me touche. Elle semble heureuse. Ah voilà Nardi, même si c'est pas le même spectacle, elle a l'air complètement captivée par la Sarah. C'est sûrement grâce à ses gros seins. Ah c'est pas moi qui l'ai dit hein. Sarah a disparu de la scène et je reste là à observer mon étrange voisine. Fais gaffe Bibi quand même, parce que si des gens te voient regarder dans le vide, ils vont se demander qu'est-ce qui se passe hein. Voilà Nardi, hein. Je mets du temps à réaliser que la personne assise sur le siège à côté m'observe bizarrement. Elle doit croire que c'est elle que je dévisage, la bouche grande ouverte. Je venais de le dire, Rouillette! Je venais de le dire! Je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit! Merde! J'ai encore passé pour une allumée! Ah bah ouais, clairement, Rouillette, hein. Ah, le Lohan, t'inquiète pas, il va prendre des partisans à chaque fois hein, que tu regardes des gens comme ça, ça va te faire flipper, hein. Ça va, Vigas? Je te l'ai un peu bizarre! En même temps, Rouillette, y'a un fantôme à côté de moi! Tout va bien, Sarah, le spectacle était génial. Je n'en reviens pas de ce que tu es capable de faire, c'était. Waouh, quoi! Ah, tu m'étonnes, attends! Ah, ça te dit pas, on va changer dans les vestiaires, Rouillette? Ah, j'aimerais bien, je t'avoue, j'aimerais bien! Tu m'as fait tout chose! Elle rougit, contente du compliment, je lui fais un sourire radieux. Je n'oublierai jamais ce quelques pas de danse. Ah, voilà Nardi. All the time in my head, Sarah. All the time, all the time. Je m'approche d'elle pour chuchoter à son oreille. Tu aimes quand je te parle comme ça, bébé? C'est juste qu'il y a un fantôme sur le siège à côté du mien. Mais je t'en dis rien. Elle sursaute visiblement surprise et regarde avec curiosité le fameux siège, évidemment. Elle ne voit rien. Bah oui, parce que c'est pas une médium, c'est une sorcière, Rouillette. T'es pas obligé de le lire. Ne t'inquiète pas, il n'est pas violent. Disons juste qu'en plus de tous les étudiants, tu auras aussi une spectatrice venue de l'au-delà. Ah, voilà Nardi, t'as de la chance, Rouillette, ça arrive pas à tout le monde ça hein. Je suis la seule à rire de ma mauvaise blague, Sarah semble encore soucieuse. Mais ça va, c'est qu'un esprit. Oh là là. Ah s'inquiète pour tout celle-là là. Tu es sûr que ça va? La dernière fois que tu as vu des restants d'âme, c'était pas la folie hein, voilà Nardi Mouriette. Je la rassure, je change de sujet. Je la rassure. T'inquiète pas, tu sais comme ça je la caresse. T'inquiète pas, bébé, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je te promets, tout va bien, la dernière fois c'était vraiment différent. Ah voilà Nardi, mais c'était un peu agressif la dernière fois, Rouillette hein. Elle hoche la tête, mais paraît encore assez soucieuse. Les fantômes font peur aux gens qui ne peuvent pas les voir, justement parce qu'ils symbolise l'inconnu. Ah, c'est une belle définition de la peur, ça, ma Rouillette, hein. Moi, j'ai fini par m'y habituer. Au loin, j'aperçois Samantha qui la regarde avec jalousie. Et oui, pauvre idiote, tu n'es pas la seule à savoir bouger ton corps. Hein, petite billard, t'as le seul, hein. Et ouais, Sarah, elle est trop bonne, ça, mais... Un peu d'humilité, ça ne lui ferait vraiment pas de mal. Je me retourne vers Sarah, un peu mal à l'aise. Je ne sais pas si je peux lui demander de rester avec moi pour le concert de pizza. J'avoue, eh ben, Stasista, ça serait bien que tu restes, mais je risque un peu d'être tout émoustillé en le voyant jouer du piano. Ah, voilà, Nardim, hein. Je lui demande, j'évite le sujet. Je lui demande, eh bah les couilles, hein. Si en plus ça peut me tenir la main pendant le concert, ça serait cool. Je sais que c'est peut-être encore un peu compliqué, mais ça te dirait de rester avec moi pour écouter Peter jouer. Elle semble surprise par ma requête, une petite mousse s'installe sur son joli visage gelé. Ce serait ça moi. L'âge de garde est toujours pas enterré entre lui et moi. Oh, Rouillette, ça va. Je joue ça jalouse là, ça me vénère les reilles, ça me vénère. Bon, au moins j'aurais essayé. Bah ouais, carrément. Du coup, on se retrouve plus tard. Bah oui, j'ai pas le choix, Rouillette. Tu m'abandonnes comme ça avec tes gros rinces. Oui, t'enverras un texto quand ce sera terminé. Ok.
Bah pourquoi j'ai pris cette intonation de voix, mais c'est pas si crème, hein, la haine, me jugez pas. Hein. Je lui fais un grand sourire et la vois disparaître d'un pas léger. Pour ma part, j'attends qu'on installe le piano. Je vois Dorothy arriver. Elle s'assied à seulement quelques places de moi, tout devant. Elle me vénère celle-là. Ah, voilà, Nardine, elle va s'en prendre une. Ah, elle me vénère, la Dorothy, là. Le sublime piano à queue. C'est mon esprit, les aïeux, c'est mon esprit, c'est n'importe quoi, c'est le bordel dans mon esprit. Franchement, ça doit être une touze là-dedans, c'est un délire. Le sublime piano à queue de couleur noire a été installé au centre de la scène. Je retiens mon souffle dans l'attente de voir arriver Peter. Va-t-il vraiment venir ou va-t-il fuir au dernier moment? Voilà, Nardim, je pense qu'il va venir. Il va porter ses balls et il va faire ce qu'il faut. Peter est un être de l'ombre, de la nuit, des murmures et des silences. Franchement, c'est pas ouf hein, quand même comme description. Je l'imagine mal, seul sur cette scène, les regards braqués sur lui et seulement sur lui. Soudain, le silence se fait. Je vois une ombre se faufiler sur la scène, avec grâce et élégance. Peter ! Ah, t'inquiète pas, il va être trop beau, il va trop bien jouer. À partir de maintenant, tu peux jouer une scène secrète et débloquer une image cachée. Une scène secrète ! Allez, moi je veux trop la scène secrète. Jouer la partie secrète ? Bah carrément, vas-y, on va jouer la partie secrète, ouais. Eh putain, j'ai pas fait les bons choix ! Eh, c'est de votre faute, les rien. Ah, voilà, Nardim, c'est pas ma faute, hein. C'est votre faute, hein. C'est votre faute, on a pas fait les bons choix. Bon, vas-y, en un clic, j'achète. C'est bien pour vous, Isitlav, hein. Peter paraît étrangement confiant, presque serein. Il a l'air paisible, comme s'il était enfin à sa place. Moi, je suis tellement angoissé, je sens qu'il est bien. Je sens qu'il est bien, va mettre. Elle est rassurée pour le pipi, là, tu vois, la bibi. Moi aussi, je me sens confiante. Je sais que Peter est talentueux et que ce moment va être extraordinaire. J'entends quelques étudiants ricaner derrière moi. Quelle bande de crétins. Ah, vous êtes vraiment des crétins, hein. On critique pas Peter, il est trop beau. Ah, voilà, Nardim, faut pas se laisser faire, hein. Ses doigts fins et blancs se posent délicatement sur les touches du piano, les frôlant à peine, comme sur mes reins. Ah non, c'était pas écrit. Il baisse la tête, ses cheveux noirs au reflet bleu cachent une partie de son magnifique visage. Oh my god! Il est trop beau sur son piano! Ah, t'es trop beau, Peter. Voilà, Nardim, t'es le plus beau. Le temps semble s'arrêter. Puis la mélodie s'élève dans toute la salle et plus personne n'ose rien dire. Ah, tout le monde ferme sa gueule maintenant! Allez, vas-y, on l'écoute là, le ptio là. La musique est douce, profonde, lente. Elle me serre la gorge et le cœur. Sa tête bouge au même rythme que ses doigts. Il a les yeux fermés. Il est complètement concentré sur sa musique. Ah, il joue quand même mieux avec ses boules, hein, putain. Oh là là, voilà Nardim, tu veux pas jouer avec tes bouliches, Peter? Il semble ne rien voir d'autre. Il ne fait plus qu'un avec la mélodie. Il est tellement beau, il m'impressionne. Il est tellement beau. Il est tellement beau! Ah, voilà Nardim, t'es trop bonne, Peter! Je suis omnubilé par sa peau blanche, par la délicatesse de ses doigts. Il est splendide. J'aimerais fermer les yeux pour me concentrer sur la musique, mais j'en suis incapable. Le spectacle qu'il offre, la passion qui se lit sur son visage est également une œuvre d'art. Peter, tu es une œuvre d'art! Oh my god! Je veux être la toile où tu mets ta peinture dessus! T'as compris? Je parlais de ton... Ah, je vais pas aller plus loin. Sa mélodie s'accélère comme les battements de mon cœur. Elle me transporte vers des sommets, faisant chavirer mon cœur, mon âme et tout mon être. Bibi là, laisse tomber, hein. D'ici 10 minutes, elle est dans le coma, sa mère, hein. Ah ouais, je t'assure. J'ai toujours été sensible à la musique. C'est la première fois que je suis touché à ce point par la musique. On va mettre, c'est la première fois que je suis touché à ce point par la musique. Parce que là, c'est Peter qui joue et ça touche Bibi, bien évidemment. Je n'ai jamais été touché par une musique à ce point. J'en tremble de tout mon corps. Oh my god, Bibi, elle est tout dans. Ah bah, je sais pas. Ça doit être un orgasme, un truc comme ça, j'en sais rien. Eh, franchement, la Bibi, là, elle est dans tous ses états, sa mère, hein. Ah, je te promets, hein. Elle a perdu les os, là, tellement. C'est dans ses états, ouais, je te promets. Ses doigts virevoltent sur les touches à une vitesse impressionnante, sans effort, comme s'il avait fait ça des milliers de fois. Il veut faire passer un message qui fait battre mon cœur à une vitesse folle. Non, je le fais pas, mais tudum. T'as compris, Roya, t'as compris, hein. Et quelque chose fait battre mon cœur à une vitesse folle. Il est vivant! Comme s'il s'était réveillé d'un long sommeil et qu'il respirait enfin! Comme quand il est avec moi et que je suis dans ses bras. Ah là là! Nous assistons à une renaissance, je sens une larme silencieuse couler sur ma joue. Peter est si beau à cet instant, bien trop beau pour paraître humain. Putain, Bibi! Tu vas me faire chialer, ouais. Arrête, c'est trop beau ce que tu dis. Voilà Nardim. Voilà Nardim. Je vois dans la salle que tout le monde est ébahi. Ah bah ouais, hein. Ah maintenant, ferme bien sa gueule, hein. Tout le monde critiquait maintenant, hein. Oh my god, il est trop fort. Eh bah voilà Nardim, c'est le mien. Que quelqu'un me touche, je le défonce. Attention, hein. Bibi, elle est vénère. Oseront-ils encore se moquer? Oseront-ils encore le regarder de haut? Ça m'étonnerait fortement. Après cette prestation, il va forcément devenir populaire auprès des filles. Ah, je me répète, hein. S'il y en a une qui me touche, voilà Nardim. Bye! Cette personne ne reverra pas sa famille, hein. Voilà Nardim! Ça ne fait pas trop, ça ne me fait pas peur. Ça ne fait pas peur! Bibi est la meilleure. Elle a jamais peur, Bibi. Qu'elles essaient donc de s'approcher, je vous ai dit, essayez! Peter est mon petit miracle, mon trésor, et je le garderai jalousement. Ah, voilà Nardim, tu n'es qu'à moi, Peter. Tu es mon précieux, mon précieux! Soudain, je vois qu'il ouvre les yeux pour la première fois depuis le début de sa performance. Ses yeux verts, lumineux, aussi purs que des cristaux. Jade! J'arrête de respirer lorsqu'il les pose sur moi. Tu aimes. Ti amo ti. Oh my god, il me met dans tous ses états avec ses beaux yeux verts là. Oh là là, le petit son des bois là. Wow. Ses doigts continuent à virevolter sur le piano, mais son regard ne quitte plus le mien. Je sens des frissons parcourir mon dos et j'ai soudain très très chaud. Oh my god. Au secours.
À la fin, la Bible, à la fin. Un petit sourire apparaît sur ses lèvres si tentantes, un sourire plein de promesses et de secrets. Kokinuma ! Oh, il va faire rougir devant tout le monde en plus. Je ne peux que lui sourire en tour, envoûté par ce regard charmeur et enflammé. La salle est pleine à craquer, et c'est moi qui l'a choisi de regarder. C'est moi qui regarde ! Hein, je vous emmerde tous derrière ! C'est moi qui regarde ! Hein, c'est mon chum, lui, ok ? Voilà, lardi, on va aller faire des petits enfants vampires, mon pipi, d'accord ? T'es chaud, d'accord, on va faire ça, hein ? Dans une belle maison en banlieue. Est-ce un signe ? Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. C'est un signe. Il y a plein de signes dans la vie, et là, c'en est un. Toi et moi, c'est pour la vie, bébé.